C'est un nouveau festival, il démarre aujourd'hui, il va durer toute la semaine à Saint-Junien et son nom claque comme un étendard, foutez-nous la paix. Pour en parler, son organisateur Daniel Mathias est avec nous, bonjour. Alors à quoi est consacré ce nouveau festival? Écoutez, c'est un cri qui résonne un peu partout dans la planète. C'est à la fois une apostrophe lancée aux va-t-en-guerre, aux marchands d'armes, mais c'est aussi ceux qui sont victimes de violences policières, de racisme, les soignants qui ne peuvent pas soigner faute de matériel, etc. Donc il y a une logique de déshumanisation derrière tout ça. Et nous, c'est de dire, parlons de ce qui provoque les conflits, parlons de ces logiques de guerre et essayons de mettre en avant... Les moyens de les éviter, peut-être. Voilà, les moyens d'éviter, les exemples de non-violence, de résistance. Et avoir une réflexion collective, comprendre pourquoi, par exemple, ceux qui ont connu la résistance et qui ont souffert de la torture par les nazis l'ont reproduite 15 ans après pendant la guerre d'Algérie. C'est un sujet dont on va parler, par exemple. Vous allez parler de la guerre d'Algérie, vous allez également parler du conflit en Bosnie. Pourquoi le choix de ces deux guerres particulières? Alors, par exemple, la Bosnie, c'est la dernière guerre en Europe qui a quand même marqué notre génération. Et c'est vrai que... S'interroger comment ils l'ont vécu, comment ils arrivent à vivre à nouveau en paix. Donc c'est apporter des témoignages pour justement construire l'avenir. Pour cette première édition, Ronny Broman, qui est ancien président de Médecins du Monde, sera le parrain de cette édition. Comment vous l'avez choisi? Comment vous l'avez rencontré? Bah écoutez, Médecins sans frontières, c'est une conscience de notre temps. Il a connu énormément de théâtres de conflits. Il a essayé, à travers l'humanitaire, de pallier à... ces drames, mais c'est une réflexion sur justement la notion de guerre juste, la notion d'intervention sur les conflits, sur l'impérialisme aussi, puisqu'il a dénoncé la guerre, notamment en Libye. Donc c'est l'occasion de débattre aussi tout ça avec quelqu'un qui reste une référence, je crois, aujourd'hui. Alors Daniel Mathias, justement, il y aura beaucoup de débats, d'échanges. Quel est le public qui est convié à ce festival? C'est un peu tout le monde. Ça va du jeune public à, ben, on le disait, à ceux qui ont connu, par exemple, la guerre d'Algérie. Donc il y a du théâtre, il y a des films, il y a un concert de fanfare des Balkans, il y a des expositions, notamment... Et ça démarre ce soir avec une exposition, justement, à La Hougrain, à Saint-Junien. Ça sera toute la semaine. Merci d'être venu ici de parler de ce nouveau festival. Du cinéma, du Cinébourse, il y a toutes les informations. Pour Foutez-nous la paix, c'est le nom du festival.